Dieu. Ta fidélité est grande. La fidélité du Seigneur est grande. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, ce matin, j'ai intitulé mon message « Assurance éternelle ». Ce n'est pas une assurance tout risque, par exemple. Vivre, il y a des risques, mais on a l'assurance qu'au bout, on est victorieux. On a l'assurance qu'au bout, le Seigneur est là. Hein? Donc, c'est le psaume 91. Je n'ai pas le texte du psaume sur mon PowerPoint, mais je vais vous le lire. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez le prendre dans le psaume 91. Je vais vous le lire, puis après ça, on va passer un petit peu à travers le texte, voir ce que Dieu nous dit à travers ça. Alors, le psaume 91 nous dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Quel bijou, hein? Quel bijou que ce psaume-là. Je suis certain que vous avez trouvé dedans du réconfort dans vos vies, dans certaines périodes, vous avez trouvé du réconfort. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Il y a des générations de croyants qui ont trouvé du réconfort dans ce psaume-là. Puis encore aujourd'hui, ce psaume-là est là, puis on peut s'approprier des promesses du psaume, on peut s'approprier les certitudes, à ce que Dieu dit. C'est un chant de confiance en Dieu, ce chant-là. Hein? Alors, quand on passe des temps difficiles, on peut trouver des choses merveilleuses dans ça, dans ce psaume-là. Le verset 1 qui nous dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alors, il y a deux choses que je voudrais souligner là-dedans. Premièrement, c'est une invitation. Hein? C'est une invitation à se placer à l'abri du Très-Haut. Hein? C'est une invitation à se confier en Dieu, à remettre notre vie au Seigneur, à lui faire confiance, à accepter le salut qu'il nous offre. La plupart d'entre nous ici, ce n'est pas tous entre nous ici, on a fait cette expérience-là, de recevoir l'invitation du Saint-Esprit. À un moment donné dans notre vie, le Saint-Esprit nous a invités à nous placer à l'abri du Très-Haut. Et on a accepté, on a pris cette décision-là de se confier au Seigneur, de reconnaître qu'on était pécheur, qu'on avait besoin de son pardon, et puis qu'on était confiant dans sa grâce, dans son salut, dans ce qu'il a obtenu pour nous à la croix du calvaire. Hein? Donc ça, ce premier verset-là, c'est une invitation. Mais il y a autre chose aussi dans ce verset-là. Il y a un petit mot qui s'appelle « demeure ». Celui qui demeure. Hein? Alors, ça ajoute un élément très important à cette invitation-là. On peut accepter l'invitation, puis à un moment donné, ne pas demeurer, ne pas persévérer. Mais quand on dit « demeure », ça nous parle d'une relation. Ça nous parle d'une relation avec Dieu.
une relation continuelle, une relation complétée, qui est répétée, continuelle avec le Seigneur. Alors, ce matin, la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que j'ai cette habitude-là dans ma vie? Est-ce que j'ai cette discipline-là dans ma vie de rencontrer le Seigneur régulièrement? Régulièrement, de demeurer dans le Seigneur. Hein? La conversion à Jésus-Christ, c'est une expérience essentielle, une expérience importante dans nos vies. Mais ce n'est pas fini. Dieu continue à travailler dans nos vies, puis il travaille toute notre vie dans nos vies. Il est patient. Des fois, on n'est pas trop attentif à ce qu'il veut nous dire, mais il est patient. Hein? Alors, c'est parce qu'il continue à travailler toute notre vie en nous, c'est important de prendre un temps dans la parole, dans la prière, à tous les jours. Vous m'avez entendu souvent dire ça, c'est important. Je trouve que c'est essentiel, je pense qu'on peut, on peut pas trop le répéter, ça. Tellement il est important de prendre un temps dans la parole de Dieu, dans la prière. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit travaille avec les matériaux qu'on lui donne. Et souvent, il va travailler avec la parole. C'est le meilleur moyen que Dieu nous parle, c'est à travers sa parole. Oui, il va nous parler à travers les autres, il va nous parler dans nos cœurs, il va parler de toutes sortes de façons. Il n'est pas limité dans la façon dont il parle, le Seigneur. Mais dans sa parole, c'est vraiment la façon privilégiée dont Dieu nous parle avec le Saint-Esprit. Hein? Donc, le Saint-Esprit va travailler avec les matériaux qu'on met à sa disposition. Puis ce qu'on doit mettre à sa disposition, c'est la parole dans nos cœurs, qu'on reçoit dans nos cœurs. Mais il y a un problème. Hein? Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de le faire. Dans nos vies, hein, il y a toutes sortes de choses. Il y a des choses, des fois, qu'on trouve importantes. Il y a des choses qu'on trouve, pas qu'on trouve, mais qui se présentent à nous urgentes, qu'il faut s'occuper. Puis il y a des choses prioritaires. La parole de Dieu, lire la parole de Dieu, ça devrait être prioritaire dans nos vies. Mais avec quoi que le prioritaire a de la difficulté? Tu es capable de me dire avec quoi? Dans les trois éléments que j'ai mentionnés? Non, la priorité... Oui, avec la discipline, mais avec une autre chose aussi que j'ai mentionnée. Avec l'urgence. Quand les choses qui se présentent à nous sont urgentes, il faut qu'on s'en occupe. Souvent, ça va chercher à prendre la place des choses prioritaires. La parole de Dieu, c'est une chose prioritaire. Mais les choses qui sont dans nos vies, qui sont urgentes, cherchent à prendre la place. Alors ça demande de la discipline, comme il était demandé. Ça demande de la discipline de mettre un temps à part avec le Seigneur à chaque jour d'avoir un rendez-vous avec Dieu. Alors si pour nous, lire, prier, méditer la parole, c'est une priorité, mettre en pratique la parole, c'est une priorité, on va trouver un temps à chaque jour pour rencontrer le Seigneur. Ça, c'est important. Hein? Donc, demeurer, avoir une relation soutenue, une relation privilégiée, une relation répétée avec le Seigneur, le laisser travailler dans nos vies. Hein? Le verset 2, il nous dit, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Ça, c'est ma réponse à Dieu. Ça, c'est ma réponse. Verset 1 m'a invité. Ma réponse est oui, oui, Seigneur, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Alors, j'accepte son invitation, puis je choisis de faire confiance à Dieu. Je choisis de me reposer en Dieu. Je choisis de me placer sous sa protection. Hein? Ce n'est pas toujours facile de choisir de se confier dans le Seigneur. Mais par la foi, je fais confiance à Dieu. Bon, la deuxième question que je me pose ce matin, qu'on se pose, est-ce que je suis capable de faire confiance à Dieu dans toutes les circonstances? Dans toutes circonstances qui arrivent dans ma vie, est-ce que je suis capable de faire confiance à Dieu? Oui, je sais qu'il règne, je sais qu'il est souverain, je sais qu'il a l'autorité, je sais qu'il a le pouvoir sur tous les événements, mais il me semble que ça ne se règle pas mon affaire. Il me semble que ça ne s'améliore pas. Il me semble que ça se détériore. Hein?
C'est quand les difficultés viennent qu'il faut se confier en Dieu. Hein? Regardez le peuple dans le désert. Hein? Je ne lirai pas de texte là-dedans, mais le peuple quand il était dans le désert. Le Seigneur marchant en avant d'eux autres avec une colonne de nuit le jour et une colonne de feu la nuit. Dieu leur donnait la manne. À chaque matin, ils étaient nourris. Dieu faisait sortir de l'eau d'un rocher. Leurs vêtements ne s'usaient pas, leur souliers ne s'usaient pas. Mais combien de fois ils ont dit à Moïse, « Tu nous as fait venir ici dans ce désert-là pour nous faire mourir. » Mais Dieu était là. Et que je trouve que ça ressemble à l'être humain, que ça nous ressemble. Ça me ressemble, en tout cas, des fois. Hein? Des fois, le chemin est long. Dieu intervient, Dieu est là. Mais il me semble que moi, je ne le vois plus là. Je suis comme rendu habitué à ce que Dieu agisse dans ma vie, puis je me rends plus compte de ce qu'il fait dans ma vie, de ce qu'il a fait dans ma vie. Hein? Est-ce qu'on est capable? Là, il y a quelques années, en préparant ça, je me rappelais un événement qui est arrivé dans ma vie. Jeannine était avec moi, mon épouse était avec moi. J'allais en Malaisie, pour à l'époque où j'étais à la Ligue pour la lecture de la Bible. J'allais en Malaisie pour une conférence internationale à Kuala Lumpur. Puis c'est loin, je ne sais pas si vous savez Kuala Lumpur, mais c'est l'autre côté de la planète, là, juste derrière nous autres, là, ou en bas, je ne sais pas, juste au bord. Il faut faire la moitié de la tour de la planète pour aller à Kuala Lumpur. Ça prend 27 heures d'avion. Hein? Par là? C'est par là? OK. 27 heures d'avion, avec deux escales en route. Alors, en approchant de l'aéroport de Kuala Lumpur, en Malaisie, après 25-26 heures de vol, là, il commençait à avoir du mauvais temps. Il faisait mauvais. L'avion était ébranlé. L'avion, il y avait des turbulences. Puis on ne voyait rien. Là, à un moment donné, le pilote nous annonce qu'on est en phase finale d'approche. Alors, moi, je suis assis à côté du hublot, puis je regarde en haut, mais je ne vois rien. C'est juste de la brume, c'est juste des nuages. Je ne vois rien. Là, l'avion descend. Là, je ne vois toujours rien. Puis ça brasse. L'avion brasse. Là, à un moment donné, oups! Je vois la piste en dessous. On est presque rendu. Je la vois. On est juste, les roues vont toucher le sol, là. D'un coup, l'avion repart en relève. L'atterrissage, ce qu'on appelle en termes aériens, est avorté. Pourquoi il n'a pas été capable d'atterrir? On était rendu. Là, l'avion a fait un tour. Puis il a recommencé. Cette fois-là, on a atterri. Elle était correcte. Mais pourquoi il n'a pas atterri? On ne l'a jamais su. Est-ce qu'il y avait un obstacle en avant? Est-ce qu'il était rendu trop loin sur la piste? Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est la tour de contrôle? Ou c'était un nouveau pilote? Je ne sais pas. Mais c'est inquiétant quand ça arrive, ça. Hein? Mais je ne pouvais rien faire. Je n'étais pas en contrôle de la situation. Le pilote était en contrôle. Que ce soit un élève au volant ou pas, là, c'est lui qui était en contrôle. Puis je devais lui faire confiance. Je savais que lui, s'il a arrêté l'atterrissage puis a décollé pour faire le tour, c'est parce que ce n'était pas sécuritaire pour ses passagers. Lui, il savait la raison pourquoi il fallait qu'ils reprennent les airs et qu'ils reviennent. Mais des fois, dans nos vies, il arrive des choses comme ça. Hein? On va dans une direction, on pense qu'on va atteindre quelque chose, puis à un moment donné, il y a un changement. Pourquoi? On ne sait pas. On n'est pas en contrôle. Il y a un changement. Mais Dieu le sait. Dieu doit être, il est le pilote de nos vies. Hein? C'est lui qui nous dirige. Et Dieu, il a un but dans ma vie. Il veut accomplir quelque chose dans ma vie.
Il veut me rendre utile pour lui, utile pour son royaume. Puis des fois, il y a des choses à changer dans ma vie pour faire ça. Hein? Il doit nous fortifier. Il doit se révéler à nous de différentes façons. Il révèle sa grandeur. Il veut qu'on soit solide dans ça. Mais comment il va le faire? Deux façons. Soit par une difficulté, par une épreuve, à travers laquelle on va voir le Seigneur agir, ou par une bénédiction. Qu'est-ce que vous aimez mieux? On aime mieux la bénédiction, hein? On est tous pareils. Mais des fois, l'épreuve est nécessaire. Des fois, la difficulté est nécessaire pour que Dieu mette quelque chose dans nos vies, dépose quelque chose dans nos cœurs qui va rester là. Qui va rester là, puis plus tard, quand on va vivre autre chose, ou des gens autour de nous vont vivre quelque chose, nous, on va savoir par expérience que Dieu est là, que Dieu est capable de nous supporter, de nous sortir de ça quand on lui fait confiance. On a vu la gloire de Dieu agir. Regardez dans vos vies en arrière combien de fois Dieu a agi dans vos vies. Hein? Combien de fois on a pensé que ça prend du temps. Où est-ce que tu es, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais il est là. Il connaît l'itinéraire de nos vies. Il connaît où est-ce que c'est qu'il veut nous amener. Hein? Alors, il sait ce qu'il y a de mieux pour nous autres. Puis il est en contrôle. Il le fait. Hein? Des versets, dans la suite des versets, en particulier versets 3, 5 et 6, il y a des pièges qui sont là dans nos vies. Des choses qui sont là dans nos vies. Des dangers possibles pour nous autres. Mais le Seigneur est mon assurance. Le Seigneur est mon réconfort à travers ça. Hein? Le verset 3 nous parle du filet de l'oiseleur. Vous savez ce que c'est, un filet d'oiseau? On n'utilise plus ça beaucoup, mais un filet pour attraper des oiseaux. C'est invisible. C'est invisible. L'animal ne le voit pas. L'oiseau ne le voit pas. Nous non plus, on ne les voit pas. Des fois, ça peut être des pièges humains, ou des pièges démoniaques, carrément. Et qu'est-ce que l'ennemi veut faire avec ça? C'est nous éloigner de Dieu, nous ramener en arrière. C'est ça qu'il veut faire. Il veut que notre consécration à Dieu, que notre confiance en Dieu soit ébranlée. Il veut qu'on abandonne le Seigneur. Alors, il y a des pièges qui sont là. Puis souvent, le piège, ce sont des péchés. Hein? Souvent, ce sont des péchés qui sont là. Des choses qui ont peut-être déjà été présente dans notre vie autrefois, qui cherche à revenir. On a déjà entendu l'expression que le vieil homme, on l'a noyé hein, quand on a été baptisé, mais ça a l'air qu'il s'est nagé. Des fois, il revient. Hein? Alors, le filet de l'oiseleur, des pièges invisibles, les terreurs de la nuit. La nuit, quand vous étiez enfant, vous en rappelez-vous des fois les choses que vous... Vous aviez peur la nuit et on pensait voir des bibittes, on pensait voir des monstres la nuit. Hein? On avait peur. C'était-tu réel? Non, c'était pas réel. Mais on s'imaginait voir des choses effrayantes. Dans nos vies aussi, des fois, il y a des choses qui arrivent, qui se présentent, qui ont l'air effrayantes. C'est comme des terreurs pour nous autres. On a peur. C'est des choses qu'on n'a pas vu venir. Des inquiétudes qu'on a pour des risques qui sont là, qui sont réels ou qui ne sont pas réels. Ou pour nos proches, pour ceux qu'on aime, qu'il y a des risques aussi. Hein, il y a ça aussi qui peut nous arriver dans nos vies. Le Seigneur est mon assurance là-dedans. Le Seigneur est mon réconfort. La flèche qui vole de jour. Ça, des fois, c'est difficile, ça. La flèche qui vole de jour, ça, c'est l'attaque directe contre nous, ça. Ça, c'est la médisance, c'est la calomnie, c'est des gens qui vont nous faire du mal, puis même pas cacher, là. Ils vont le faire directement. Hein? Ça aussi, le Seigneur est notre assurance là-dedans. C'est des difficultés qui arrivent. La peste, l'épidémie, on voit pas, on n'a pas vraiment de défense, on ne les voit pas venir, c'est là. Mais on doit faire confiance à Dieu. On fait confiance à Dieu là-dessus. Alors, c'est quoi notre réaction naturelle face à des situations comme ça? Notre réaction naturelle, c'est l'inquiétude. On s'inquiète.
Vous savez, hein, vous avez déjà entendu ça, qu'on ne règle jamais nos problèmes par nos inquiétudes. Même il y a un passage dans la parole qui dit qu'on a-tu déjà ajouté une seule coudée à la longueur de notre vie par nos inquiétudes? Hein? On n'est pas capable de régler un problème par nos inquiétudes. Des fois, on s'inquiète beaucoup pour des choses qui n'arrivent pas. Hein? Vous savez. Le mot inquiétude, c'est le contraire du mot quiétude. Paix. Quiétude, c'est paix. Avec un petit IN en avant, in, ça fait le contraire. Au lieu d'avoir la quiétude, on a de l'inquiétude. Hein? On n'a pas la paix. Une grande partie des inquiétudes qu'on a, ça n'arrive jamais. Une grande partie. On va s'inquiéter pour toutes sortes de choses qui n'arrivent pas. On va s'inquiéter pour des choses qui sont arrivées dans le passé, qu'on ne peut rien changer. On va s'inquiéter pour l'opinion des autres, ce que les gens pensent. On va s'inquiéter pour ça. On va s'inquiéter pour notre santé. Une partie de nos inquiétudes, ça va être pour notre santé. Même si on n'est pas malade, on va s'inquiéter pour notre santé. Il y a une toute petite partie de nos inquiétudes qui concernent des choses qui sont vraies, qui ont un risque pour nous autres. Une toute petite partie de ça. Alors, l'inquiétude, pour la plupart du temps, c'est inutile. C'est inutile. Puis on pourrait même dire que c'est un manque de confiance en Dieu. Et je peux juste vous dire que je suis coupable de ça. Hein? Je ne sais pas vous autres, mais moi, ça m'arrive. Hein? De me réveiller la nuit, puis de penser à ce qui est en train d'arriver, ou ce que j'ai à régler, ou ce que j'ai à faire, et d'en faire une montagne haute comme ça, la nuit en particulier. Hein? Je pense que ça nous arrive pas mal, hein? Notre réflexe devrait être de faire confiance à Dieu avec ça, hein, tout le temps. Mais on a un peu de difficulté avec ça. C'est pas intentionnel, c'est pas par exprès qu'on manque de confiance à Dieu. C'est un peu notre nature, mais on doute, on est inquiet. Est-ce que Dieu va agir? Comment il va agir là-dedans? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment m'a réglé ça? Hein? En fait, quand on s'inquiète, c'est pas ce qu'on veut faire, mais en réalité, on doute de Dieu. On doute de Dieu parce que nous lui appartenons. Nous lui appartenons. On a décidé de se confier en Dieu. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Parce que c'est un refuge, hein? C'est un endroit qu'on peut aller se cacher contre les éléments, les mauvais éléments de la température ou contre des actions hostiles. Ma forteresse. On est protégé des éléments hostiles autour de nous. Hein? Alors, j'ai à gérer mes problèmes en faisant confiance à Dieu. Si je ne fais pas confiance à Dieu, savez-vous qui me gère? C'est mes problèmes qui me gèrent. C'est mon inquiétude qui me gère. Alors, au lieu de régler mes problèmes, l'inquiétude me ronge mes forces, puis même brouille ma vision spirituelle. Brouille ma vision que j'ai de Dieu, de ce que Dieu peut faire. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh! Ça, c'est beau, par exemple. Ne vous inquiétez de rien. Bon, facile à dire, hein? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Avec des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On fait notre part. On présente ça à Dieu. Dieu va faire la sienne. Hein? Quelque chose d'intéressant là-dedans. Prière, supplication, on sait tout ce que c'est, hein, quand on prie le Seigneur. Mais avec des actions de grâce. Même si ça ne va pas bien, même si on est inquiet, on rend grâce à Dieu. On remercie le Seigneur, on est reconnaissant. C'est peut-être une des choses qu'on doit se pratiquer à faire, parce que c'est facile à oublier, d'être reconnaissant envers Dieu. Hein? Il faut se souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies. Des fois, on l'oublie. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple des Israélites dans le désert. La mémoire était courte, des fois, sur ce que Dieu avait fait. Hein?
ils rencontraient les mêmes problèmes que Dieu avait déjà réglés, puis ils doutaient. Ils étaient rebelles. Hein? Alors, se souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies. Je suis certain que si vous prenez le temps de regarder en arrière, il y a eu des situations dans vos vies où Dieu est intervenu et vous savez que Dieu est intervenu. Dieu a fait des miracles dans vos vies. Dieu a prouvé sa présence dans vos vies. Hein? Dieu l'a fait. À chaque jour, Dieu intervient dans nos vies. Dieu fait quelque chose à chaque jour. Ce n'est pas toujours des choses qu'on a tendance à se rappeler ou à voir vraiment la main de Dieu là-dedans. Mais un bon exemple, un bon exercice à faire, je ne réussis pas toujours à le faire tous les jours, mais j'essaye. Le matin, quand je prends mon temps avec le Seigneur, je m'arrête puis je pense à ma journée d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce que Dieu a fait hier? Ou qu'est-ce qu'il y a eu dans ma journée hier que je peux rendre grâce à Dieu pour? Essayer de cultiver la reconnaissance à Dieu, se rappeler de ce que Dieu a fait, puis dans nos événements de tous les jours, se rappeler ce que Dieu a fait et rendre grâce à Dieu, hein, avec des actions de grâce. Parce que je sais que Dieu est là, je sais qu'il a agi dans ma vie, je sais qu'il est présent continuellement avec moi, alors je peux me confier en lui. Je peux lui faire confiance parce qu'il est là. Hein? Il est mon refuge et ma forteresse. Un beau verset ici, psaume 105, 4, 5. C'est tellement beau. Ayez recours à l'Éternel. N'oubliez pas d'avoir recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchez sa présence. Vouloir être dans la présence de Dieu. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles, des jugements de sa bouche. Ayez recours à l'Éternel et souvenez-vous de ce qu'il a fait dans le passé. Si vous retenez seulement ça de ce que je vous dis ce matin, ça va être suffisant. Ayez recours à l'Éternel, priez, suppliez, soyez reconnaissants et souvenez-vous, soyez reconnaissants de ce que Dieu a fait dans vos vies. Vous savez, notre inquiétude, on peut placer ça dans deux chaudrons. Hein? Deux beaux chaudrons. On peut placer dans le chaudron de l'anxiété. On est tellement inquiet qu'on en fait de l'anxiété. Puis là, il y a une recette avec ça. Hein? Quand on fait que du blé d'Inde ou du homard dans un gros chaudron, quelque chose, il y a une recette. Hein? Dans notre chaudron d'anxiété, on a une recette aussi qu'on peut mettre avec. Là, ça dit faire mijoter l'inquiétude dans le plat jusqu'à l'obtention d'un bon plat de découragement. Ah! Pas pire. Arrosez-le d'une sauce épaisse de pessimisme. Fait que là, vous avez, ça doit être bon. Ça arrive des fois qu'on se fait des recettes de même. Ça peut arriver. Hein? Ça, c'est notre choix. On peut mettre ça dans ce chaudron-là. Ou on peut prendre le chaudron de la prière. Hein? Donner le problème à Dieu, remettre le problème à Dieu, faire notre part, prier, remettre le problème à Dieu et être reconnaissant pour ce qu'il a fait et ce qu'il va faire avec ça. Hein? Alors, laissons Dieu nous conduire. Remettons-lui les situations. Quand j'étais plus jeune chrétien, il y avait une chanteuse, je ne me souviens pas de l'air, puis je ne me souviens pas de la chanteuse, comment elle s'appelait. Elle s'appelait Guylaine, je pense, Guylaine quelque chose. Elle chantait une chanson qui disait que dans l'auto de sa vie, elle s'assisait en arrière, puis elle laissait le Seigneur conduire l'auto. Mais parfois, elle sautait par-dessus le siège, puis elle allait prendre le volant parce qu'elle n'était pas d'accord de la direction que ça prenait. Hein? Restons sur le siège du passager. Laissons le Seigneur conduire nos vies. Lui, il sait où il nous amène. Faisons-lui confiance, toujours et en toutes choses. Il y a un but, et une des choses qu'il veut, c'est qu'on reflète sa gloire, hein, qu'on soit pour lui un témoignage. Il veut nous rendre utile pour son royaume. Alors, on peut rester en paix, on peut rester en quiétude en lui et le laisser agir. Hein? Dieu fait une merveilleuse promesse. Hein? Qu'est-ce que Dieu a promis qui me permet de vivre une vie chrétienne dans la quiétude, dans la paix, malgré ce qui m'entoure, malgré les situations qui me déplaisent dans ma vie, malgré
les difficultés qui arrivent, malgré les choses qu'on n'aime pas, là, qui se passent autour de nous. Les versets 14 à 16, c'est la réponse de Dieu dans notre psaume 91. Hein? « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. » C'est sûr que c'est un verset qui est utilisé souvent pour Jésus-Christ, pour le Seigneur Jésus quand il est venu. Mais nous sommes en Jésus-Christ. On peut s'appliquer ces versets-là, je le crois. Hein? Le Seigneur nous aime. Nous sommes attachés à lui. Hein? Ça veut dire, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Dans d'autres versions, les mots « puisqu'il m'aime » sont traduits « puisqu'il est attaché à moi ». Hein? Puisqu'il est attaché à moi. Puis si on prend l'expression « attaché », c'est une décision ferme. On a décidé de suivre le Seigneur, de s'attacher au Seigneur. C'est un engagement. On s'engage envers Dieu. Hein? Quand on s'attache, quand on s'engage, c'est parce qu'on a une confiance, on pourrait dire, sans borne envers Dieu. On ne limite pas notre confiance. On aime le Seigneur. Développer notre amour avec le Seigneur, c'est important. C'est ça que Dieu veut trouver en nous, un amour sincère pour lui, un attachement pour lui, un engagement véritable pour le Seigneur. C'est ça qu'il veut. C'est ce qu'il veut trouver en nous. Tout à l'heure, le verset qu'on disait, qui disait « chercher toujours sa face ». On cherche, on veut, on ne doit pas négliger de chercher l'intimité avec le Seigneur, prendre un temps avec le Seigneur, le laisser nous parler. On a besoin de jouir de son intimité maintenant et toujours. Que ce soit dans nos temps seuls avec lui ou dans nos temps ensemble, comme ça, quand on loue le Seigneur, quand on écoute sa parole, quand on partage ensemble, on recherche la présence de Dieu, on recherche l'intimité avec le Seigneur. Il déverse sur nous les richesses de sa grâce. C'est ça que Dieu veut faire, c'est ça qu'il veut faire. Hein? C'est ce que ça nous dit. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Puisqu'il connaît mon nom, on connaît le nom du Seigneur. Et même plus que ça, il est notre Père. Nous sommes de sa famille, nous portons son nom. Hein? Nous connaissons son nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Quelle belle promesse! C'est un privilège de s'adresser à lui par la prière. Vous savez, quand on lit les évangiles, quand le Seigneur a été crucifié, quand il est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré. L'accès au lieu saint, l'accès à la présence de Dieu qui était limité au souverain sacrificateur une fois par année pour aller expier les péchés du peuple, cet accès-là était ouvert. Et aujourd'hui, par le sacrifice de Jésus-Christ, l'accès à la présence de Dieu nous est ouvert. Hein? Il m'invoquera, je lui répondrai. On peut parler au Seigneur et il va nous répondre. C'est tout un privilège. C'est tout un privilège de pouvoir s'adresser au Seigneur, de savoir qu'il entend et d'avoir sa promesse qu'il va répondre. Hein? La réponse n'est pas toujours comme celle qu'on lui suggère. Hein? On prie puis des fois on lui suggère une réponse. Sa réponse peut être différente, mais il répond et il sait ce qui est bon pour nous. Hein? Il le sait. Il nous promet aussi sa protection. Je le protégerai. On n'a pas été voir tout à l'heure les autres versets du psaume 91, hein, mais il y a des images qui sont là, qui parlent de la protection du Seigneur. Un refuge sous ses ailes. Hein? Bon, là, probablement tous déjà vu une poule qui a ses petits poussins en dessous de ses ailes, qui les protège. J'ai déjà vu quelque chose, une poule qui a brûlé. Il y avait un incendie. La poule a brûlé les petits poussins en dessous. Les petits poussins étaient corrects. En dessous, la poule était cuite, là.
mais le poussin était correct. Alors, Dieu ne brûlera pas lui, ça c'est sûr. Il n'y a pas de danger. Mais le Seigneur nous protège comme ça. On est sous sa protection, sous ses ailes. Un bouclier. Vous savez que ça protège des projectiles qui sont lancés vers nous, des choses qui sont lancées vers nous. Il nous protège. Le Seigneur donne l'image du bouclier. Le bouclier, il est devant nous, on le tient devant nous. Mais il parle aussi d'une cuirasse. La cuirasse, autrefois, les soldats avaient, même aujourd'hui encore, ils ont des vestes anti-balles. Les cuirasses, ça avait le même rôle. Ça protégeait le corps, les organes vitaux contre les projectiles. Donc, le Seigneur est une cuirasse, il nous protège. Il est là, il nous protège. Pas que les choses ne nous frapperont pas, mais les choses ne nous détruiront pas. Les choses ne nous tueront pas, spirituellement parlant. Hein? Il est là. Il nous promet sa présence. Je serai avec lui. Il est avec nous. Chaque jour, il est là. Hein? Il nous promet la délivrance. Une longue vie. Je le rassasierai de longs jours. Hein? Il nous promet une longue vie. Le salut, la plus belle promesse. Je lui ferai voir mon salut. C'est une merveilleuse promesse de Dieu. Alors, si on marche dans ses voies, si on fait sa volonté, on a l'assurance que le Seigneur va nous exaucer, qu'il va être avec nous, qu'il nous rassasie, qu'il nous comble de ses bénédictions et qu'il nous fera voir son salut. Quand je dis ça, je me rappelle de ma grand-mère. Ma grand-mère avait accepté le Seigneur à 80 ans. Elle est morte quelques années après, là. Mais elle chantait une chanson, je vais essayer de me rappeler les paroles. Sa chanson préférée, c'était « À la fin de mon voyage, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné. » Je me souviens qu'à ses funérailles, on a chanté ça. « À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Hein? » Je ne me rappelle pas toutes les paroles. Ouais, c'est ça, Pierre, je pense. Pierre, je fouille dans sa mémoire. Hein? « À la fin de mon voyage. » Hey, c'est vieux, cette chanson qui a 30 ans, ça peut être 40 ans. Ouais. Hein? Je verrai mon sauveur, puis je serai couronné. Ben, je lui ferai voir mon salut. C'est ça que Dieu nous promet. Alléluia. Alors, Seigneur, tu es là. Le Seigneur est là. Et j'aimerais terminer peut-être en chantant ce chant-là pour ceux qui s'en souviennent. Ça doit être mon âge qui commence à être plus long. Je me rappelle de vieilles chansons. Hein? Les paroles disent « Seigneur, tu es là. » Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'espoir, Seigneur, tu es là. Seigneur, quand j'ai besoin d'une autre chance, quand j'ai besoin d'un conseil, quand j'ai besoin de guérison, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'aide, quand j'ai besoin de ta présence, quand j'ai besoin d'affection, Seigneur, tu... On peut mettre toutes sortes de choses selon nos besoins dans ce chant-là. Et on peut peut-être le chanter ensemble pour terminer ce matin. Amen.